satisfaisant, coloré. J'adore. Mais j'en ai pas. Ma chérie, de quoi tu parles là? C'est quoi ça? Coloré, je sais pas quoi. Hein? C'est le nouveau jouet trop à la mode, maman. Tout le monde l'a à l'école. Toutes mes copines, elles en ont. Sauf moi. D'accord, un nouveau jouet populaire à l'école, j'ai compris. Explique-moi à quoi ça sert au moins. Hein? En fait, c'est un jouet. Il déstresse et à la fois, il est trop beau, il est coloré. Il existe dans plein de couleurs différentes. En fait, ça consiste à... En fait, il faut appuyer dessus et ça fait un petit bruit satisfaisant. Mais moi, je voulais en avoir un, moi aussi. Sauf que j'en ai pas. Laisse-moi réfléchir. Je sais. Regarde. Moi, j'en ai un pop-it, moi. Voilà. Ça, le meilleur pop-it de toute la Terre. Regarde. Tout comme le pop-it. T'as vu? Regarde le bruit qu'il fait. Ça, c'est déstressant. Ça, c'est ce qu'il te faut. Tiens. Maman, t'en as fait un. Regarde. Tiens. Ça. Mais c'est pas du tout coloré. Et... Ça rentre pas, c'est bizarre. C'est même pas coloré, il n'y a pas de couleur et c'est petit en plus. Mais c'est bizarre. Je vais pas rester avec ça, mes copines elles vont rigoler. Et alors? Au moins il fait bien le clic là. Et il va te déstresser. Donc allez, va dans ta chambre te déstresser là. Allez. Parce que je commence à avoir la migraine moi. Oh. Quoi? C'est quoi ça? Zoé s'est acheté un nouveau jouet? C'est quoi ça? C'est trop nul! C'est quoi ce jouet? Ça sert mais complètement à rien ce truc. Quoi? Lina a le même? Attends, mais ils ont tous un problème ou quoi? Attends. Oh! Elsa aussi? Rose aussi? Mais ils l'ont tous? C'est pas possible! Comment ça se fait que je suis pas au courant? Attendez, on va regarder. C'est quoi cette nouvelle traîne là? Pop it! Nouvelle traîne? Le nouveau jouet le plus à la mode? Non, c'est pas possible! Comment ça se fait que j'étais pas au courant? Non, c'est pas possible! Normalement, je suis toujours au courant de ce qui est à la mode! Toujours! Là, c'est pas possible! Là. Comment ça se fait que je suis pas au courant? Il faut que j'en ai un! Vite! Je vais aller chercher sur Google. Hop! Hit! Prime! Waouh! Il faut que j'en ai un au plus vite! Bon, je vais commander dès maintenant. Il faut que j'ai le meilleur pop-it de toute cette ville. C'est impossible que moi j'en ai pas. Genre vraiment n'importe quoi. Je suis vraiment choquée. Il faut plus jamais que ça m'arrive ce genre de choses là. Je ne vais pas supporter. Comme d'habitude, il faut toujours que j'ai tout ce qui est de meilleur. Même mon pop-it, ça doit être le meilleur. Et alors, vous avez cru que vous étiez les seuls à en avoir? Et ben voilà, moi aussi maintenant j'en ai un. Et j'en suis sûre que personne en a un comme le mien. Dans les couleurs pastel, avec des paillettes en plus. J'ai le meilleur pop-it de toute la ville. Maman! Mais c'est tout sauf un pop-it ça! C'est tout petit et en plus il fait le bruit que d'un seul côté. C'est nul. Demain toutes mes copines elles vont aller à l'école avec leur pop-it et moi je vais venir avec ça. Non, s'il te plaît, maman. Et en plus, ils vont savoir que c'est le packaging du Doliprane, regarde. C'est nul. Bon, ma chérie, arrête de paniquer directement, là. Oh. Attends-moi quelques secondes, je vais trouver un truc. Bon.
Voilà. Ça. C'est parfait. Regarde. Regarde ce que j'ai trouvé. Le meilleur pop-it de toute la Terre. Regarde, super grand. J'en suis sûre, aucune de tes copines n'a le même. Aucune. Meilleur pop-it, regarde. Regarde. Appuie dessus, regarde, ça te déstresse, regarde. T'as vu? Tiens, tu pourras remercier ta petite maman. Parce que moi, je suis la meilleure des mamans, t'as vu? Regarde quel pop-it j'ai pu te trouver, regarde. Tiens, essaye. Oh, merci beaucoup. Waouh, un pop-it XXL. Waouh, et la couleur, elle est juste magnifique. Il est coloré, bleu, j'adore le bleu. Et en plus, il doit faire un gros bruit. C'est un immense pop-it. Merci maman, t'es la meilleure, j'adore. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup, je pourrais le montrer à toutes mes copines. Non mais franchement, en vrai je commence à en avoir marre. Hein. La couleur et puis le bruit, tout est pareil en fait. Y a rien qui change. J'en ai marre de ce pop-it. Il faut que j'en ai un nouveau. Et tout de suite. Bref, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a de neuf ici? De nouveau. Bon, il faut à tout prix que j'en achète un nouveau. Regardez, il y en a plein. Lui, il est trop bien, lui. Oh, l'ours, regardez comment il est trop bien. Je le veux, l'ourson. Bon, c'est parti, je vais commander maintenant. Je vais commander... Oh, la licorne. Regardez, la licorne. Je veux ça, je veux cette licorne. Oui, allô, bonjour. Oui, ça serait pour vous commander un pop-it parce que j'ai vu que vous avez vraiment... des pop-its magnifiques. Alors moi j'aimerais vous prendre votre pop-it licorne rose s'il vous plaît. Quoi? En 24 heures? Non, c'est pas possible, non. Non, ça, je peux pas. Non, il me le faut maintenant, là maintenant. Si vous voulez, je vous paye plus. J'ai déjà réglé en plus. Vous pouvez pas me le ramener là maintenant? D'accord. Ok alors. Oui. Ok, ça me va. Merci à vous aussi, au revoir. 24 heures. Comment ça, 24 heures? Déjà? Wow, ils ont été rapides. Voilà, ça j'aime. Ça, c'est du bon travail. On monte mon pop-it. Quoi? Mais c'est pas ce que j'avais commandé. Mais j'avais commandé une licorne. Mais c'est quoi ça? Pourquoi ils m'ont ramené un crabe? Moi, je voulais ma licorne rose. Ma licorne. Je vais porter plainte. C'est pas normal. C'est pas normal, ça. Mais bon, c'est pas grave. Il a l'air bien et personne n'avait de crabe en plus. Donc, je vais quand même pouvoir le montrer à mes copines. Mais c'est bizarre. Bon alors, on va le tester. Il marche trop bien. Mais j'adore. Mais par contre l'autre côté il marche pas bien. C'est nul. Moi je veux que les deux côtés marchent bien. Maman. Mais c'est toujours pas un pop-it ça non plus. Maman mais... En plus ça, regarde, ça ne fait même pas de bruit déstressant, regarde. C'est un simple moule à gâteau. Qu'est-ce que je vais dire à mes copines? Elles auront des vrais pop-its qui font le bruit, qui sont colorés, qui ont tout. Et moi je vais venir avec un moule à gâteau, c'est ça? Maman, s'il te plaît, je veux tellement un pop-it, tellement un pop-it, s'il te plaît. Trouve quelque chose, s'il te plaît. Alors, il n'y a pas longtemps, j'avais reçu un colis Amazon. Et il y avait du papier bulle dedans.
Ça, ça ferait un pop-it parfait. Voilà. Voilà. Papier bulle. Ah, merci Amazon. Bon, ça, ça c'est un pop-it, ça. Et pour longtemps en plus. Bon, regarde ce que j'ai trouvé. Ça, c'est le dernier pop-it que je peux te donner. Vrai pop-it, regarde. Tu peux avoir le bruit illimité. Franchement, là, t'en as pour très 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 longtemps, hein, moi je te le dis. Tiens, de rien bien sûr, il n'y a pas de souci. Je ferai tout pour ma fille, tiens. Ça, c'est le meilleur pop-it. Ta mère est un génie, t'as vu? Merci maman de m'avoir aidée, merci, merci beaucoup. Bon, allez, maintenant tu vas dans ta chambre, ok? Moi j'en ai marre, c'est fini. T'as tous les pop-it de la terre maintenant. Ça m'ennuie. Mais qui ça peut être? Je devais recevoir personne aujourd'hui. On va voir ça. Ici. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est quoi ça? Mais c'est un pop-it? C'est un pop-it hamburger. Mais il est bizarre. De qui ça peut être? Regardez, il y a une lettre avec. Pop-it hamburger. Écoutez. Ah, il marche bien en tout cas. Mais il est bizarre cet hamburger, elle est où la salade? Pourquoi en bas c'est jaune et il n'y a plus de pain? Bon, on va regarder ce qu'il y a marqué dans cette lettre. Alors, bonjour mademoiselle Sabina, je suis ton admirateur secret. Je te fais ce petit cadeau parce que tu me plais beaucoup. J'espère qu'il va te plaire, j'ai beaucoup galéré pour le trouver. Un admirateur secret? C'est qui celui-là? Il a pas pu trouver mieux? Je voudrais croire que c'est avec ça qu'il va me faire plaisir là. Franchement, pas ouf. Hein. Venant d'un admirateur secret, avec son burger à trois couleurs là. Je crois que je vais devoir y aller. Franchement, sans pop-it demain. Je crois que j'en aurai jamais. Tu sais quoi? C'est pas grave. Je vais pas être triste. Le plus important, quand on va à l'école, c'est pas les jouets. C'est apprendre. C'est les études qui comptent. Donc c'est pas grave si j'en ai pas. Je m'en fiche des autres. Je vais plutôt aller réviser que de penser aux pop-it.